aujourd'hui trois grands sujets, en fait. Il y en a deux qui sont très concrètement engagés et pilotés par, en l'occurrence, la branche numérique à laquelle j'appartiens. Et un troisième qui est engagé aussi, mais qui est plus piloté par les métiers. C'est d'ailleurs plus normal. Vous allez comprendre pourquoi. Le premier sujet, enfin, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, mais le premier sujet, c'est un sujet qui est effectivement autour du poste de travail. Alors, à la fois le poste de travail numérique, c'est-à-dire smartphone, tablette, PC et autres. Et là, il y a toute une remise à plat pour aller vers un poste de travail qui soit unique et unifié, c'est-à-dire que nous ayons tous le même en termes de système d'information. Et que nous puissions donc interagir extrêmement facilement, évidemment tout ça dans le cloud, parce que le cloud permet beaucoup de choses que le on-premise ne permet pas aujourd'hui. Et donc pouvoir interagir indépendamment des silos et indépendamment de la hiérarchie et de l'équipement de chacun, et où qu'on soit d'ailleurs. Donc ça, c'est un premier point. D'ailleurs, au passage, avec une formidable révolution qui arrive, enfin, qu'on va voir dans nos vies de tous les jours, qui est justement l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les outils de travail, et notamment d'analyse de la data en langage, avec des requêtes en langage naturel, ce qui va objectivement changer tout et permettre des gains de productivité, de mon point de vue, absolument énormes. Donc ça, c'est le premier sujet. Dans ce sujet d'environnement du travail, il y a aussi, vous l'évoquiez monsieur, le travail physique, parce que le digital ne fait pas tout, Dieu merci, donc il y a encore des hommes et des femmes, et qu'il y a encore des bureaux. Voilà. Bon. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'est quand même pas très bien organisé, très bien aménagé, et que ça ne favorise pas justement la collaboration, l'interaction, le mode projet, que sais-je encore. Donc on a aussi toute une réflexion engagée avec notre foncière sur le sujet de l'aménagement des locaux existants, voire éventuellement de nouveaux locaux, et la connexion, bien sûr. Le deuxième sujet, c'est effectivement un sujet qui est à la fois crucial et très sensible, c'est le sujet de la sensibilisation, de la culturation, la formation de l'ensemble des postiers au digital, que ça aille de la compréhension du monde dans lequel on vit à la compréhension et la mise en œuvre de la stratégie de la Poste en matière digitale, entre autres, et puis à l'utilisation, puisque ça peut aller jusque-là, par un certain nombre de catégories de métiers, d'outils et ou de process et ou d'approches type analyse data, etc. Et puis un troisième sujet qui est un sujet donc de processus, qui là est plus engagé par les métiers et qui touche justement à ces sujets d'omnicanalité, etc. etc.